C'est un sujet qui mobilise les opinions publiques. À la limite, on peut même dire que le conflit se déroule tout autant dans les opinions publiques externes que sur le terrain lui-même. En fait, c'est un sujet qui peut être qualifié d'exceptionnel, enfin, qui bénéficie d'une exceptionnalité. Alors, l'exceptionnalité, elle se comprend évidemment par rapport à l'histoire juive, à la Shoah, etc. Mais du coup, cette exceptionnalité s'est reportée aussi sur les Palestiniens. Donc, on a une concurrence des victimes. Et tout ça, on le voit dans le fait que on a l'opposition dans nos sociétés du discours fondé sur la Shoah d'un côté et le discours anticolonial de l'autre. Et d'ailleurs, les clivages des partis politiques français reprennent très largement des lignes de rupture qui existaient déjà pendant la période des décolonisations. Chateaubriand s'était rendu célèbre au début du 19e siècle en écrivant un texte qui lui a valu d'être foutu en exil, qui commençait par, enfin, qui comprenait la phrase à peu près, l'historien est le vengeur du peuple, ou des peuples. Alors, heureusement, aujourd'hui, nous ne sommes plus les vengeurs des peuples, mais comme toujours à la base du travail historique, vous avez deux fins, en tout cas. La première qui est celle de l'établissement des faits et d'autre part l'interprétation de ces faits. Alors évidemment, les interprétations conditionnent aussi l'établissement des faits et inversement. Mais en tout cas, si on ne prend pas en compte l'établissement des faits et éventuellement mettre aussi au point les raisonnements contrefactuels, qu'est-ce qui serait passé si eh bien, on n'aurait pas. Enfin, le débat lui-même serait complètement fou. D'ailleurs, il suffit de voir ce que l'on entend chez certaines personnes, y compris celles qu'on peut définir comme des experts et qui disent des âneries du point de vue historique, montrent que la question de l'établissement des faits est d'abord essentielle. Alors, par ailleurs, comme nous ne sommes pas les vengeurs des peuples, nous ne sommes pas aussi les instaurateurs de légitimité. Et donc, on ne va pas dire telle cause est légitime et telle cause est illégitime. Ce n'est pas notre boulot. Donc, voilà à peu près pour ce qu'on peut dire. Mais d'abord, expliquer, enfin, établir les faits. Et bon, là, il y a une immensité de documentation, ce qui permet à l'historien de travailler. Et puis, vous avez les établissements, les changements réguliers de problématiques qui influent aussi sur le sujet. Donc, je pense à des travaux récents d'historiens de ces dernières années. Bon, Jean-Pierre Fulu a sorti une histoire de Gaza, il vient de sortir une histoire du conflit. Vincent Lemire a fait un gros travail sur Jérusalem, y compris une histoire de Jérusalem, y compris en bande dessinée. Et il a aussi intervenu dans les médias. Et puis, bon, il y a d'autres ouvrages, mais ils sont peut-être pris plus dans les polémiques ou les visions du monde.